Tu as pris la bonne décision, Power Ranger. J'ai rempli ma part du marché. Je vous ai donné la pointe de flèche. Maintenant, à vous de tenir parole. Relâchez David. Tout de suite. Silence. Comment oses-tu me donner des ordres? Je n'aurais jamais dû me fier à vous. Bientôt, je connaîtrai le secret de cette tête de flèche et tu rejoindras ton frère dans les entrailles de la terre. Quel idiot! Comment j'ai pu lui faire confiance? Ne t'en fais pas, David. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je te sortirai de cette grotte, je te le jure. Les Rangers commencent à faiblir. Hé, hey, Billy, où en es-tu avec ton boîtier d'interface? Aïe, 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 aïe. Ça ne se présente pas très bien. Billy, j'ai relocalisé David. Tommy, on capte une image de ton frère. Ah, fantastique! Il va bien? Pour le moment, il a l'air de tenir le coup. Mais il se passe de drôles de choses dans cette grotte. Tommy, viens voir ça. Aïe, 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 aïe! Les dessins des murs de la grotte s'animent! David? Oh non, on ne peut pas le laisser là-dedans. Jordan, il a besoin de moi. Il faut que je tente de délivrer mon frère. Tant qu'on n'aura pas détruit le champ de force de la grotte, tu ne pourras rien pour lui. Oh, mais Jordan... Pour l'instant, il faut que tu neutralises la créature du roi Mondo. Je rejoindrai les autres, mais c'est un choix difficile. Billy, c'est ça le boîtier d'interface? Oui, ce n'est pas encore très au point. Tout reposera sur moi dans ce cas. Regardez, c'est Tommy. Oui, oui. Il arrive pile. À nous deux, mon mignon. Tiens, tiens, on rentre dans sa coquille. Il faudra trouver mieux, j'ai même pas une éraflure. En position pour l'assemblage du Zéo Megazord de combat. Je dois me concentrer. Il le faut pour David. Oui, on a réussi. Paré pour l'attaque. Zéo Ranger prêt. Passons aux choses sérieuses. Puissance de feu maximale. Quel désastre! Peut-être, mais c'est nous qui avons la pointe de flèche. Je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Ce n'est qu'une babiole sans intérêt. J'ai analysé la pointe de flèche, votre majesté. D'après les tests, il s'agit d'un fragment de pierre magique. En mettant la pointe en contact avec sa pierre d'origine, on obtient le contrôle d'esprit malin. Alors qu'est-ce que tu attends? Rends-moi cette pierre magique, sac à boulon. Allez, on va pas y penser la nuit. Non. T'as perdu 39. Non, je l'ai même pas tout. Tenez bien, sale tricheur. Oh, c'est la fin de l'alerte. Eh, le monstre a succombé sous les coups des Power Rangers. Meyer. Oh, Skolovitch. Je sais que vous êtes là. Le lieutenant Stone, hein? Allez. Hold!
J'ai décidé de vous faire passer un test psychologique aujourd'hui. Pour voir si vous feriez de bons agents auxiliaires. Dites-moi, vous n'avez pas d'animaux chez vous? Non? Étrange. Retrouvez-moi au centre de formation dans une heure. J'ai horreur qu'on me dérange dans mon sommeil. Non, ton frère. Zordon, d'où sort cette créature? Je crois qu'il s'agit d'un octosaure. Un quoi? Un hawk comment? Octosaure. Ces créatures peuplaient la Terre autrefois. Il y a plus de 10 000 ans. Ah, je vois. Mais Zordon, ces monstres n'existent que dans les mythes. Non, Tania. Cette créature est l'œuvre du démon qui hante cette grotte. Un démon qui n'a rien à voir avec l'Empire des Machines. Mais cette chose attaque mon frère. On doit le délivrer très rapidement. Ou le rejoindre dans la grotte. Impossible. Le champ de force de Mondo est inviolable. Quand je pense qu'il a la tête de flèche. Mais pourquoi est-ce qu'il lui fallait ce pendentif? J'ai pas la réponse. Mais je sais où je peux la trouver. Au commencement, la Terre était peuplée d'esprits maléfiques très puissants. Puis un guerrier est venu et a capturé ces esprits. Il les a emprisonnés dans la pointe de sa flèche. Celui qui détient ce fétiche contrôle ces esprits malins. Il y a un problème, Tommy? Un gros. Mais vous m'avez bien aidé déjà. Plus que vous ne pouvez le croire. Merci. Si tu vois David, dis-lui de revenir avant la nouvelle lune. Entendu, je lui dirai. Grande, au avant. Nous cherchons toujours la pierre, mais une créature est apparue dans la grotte où nous retenons le frère du ranger. Elle porte cette créature à l'air libre. Je suis sûr qu'elle est aussi avide de destruction que nous. David a été téléporté en même temps que la créature. Tommy, il n'y a pas de champ de force dans la grotte. Oui, mais le roi Mondo a fait téléporter le monstre hors de la grotte. Et David a été téléporté avec lui. Et où sont-ils? D'après ce que j'ai pu voir, dans la réserve indienne. Très bien, on les rejoint. Transmutation demandée. C'est au Ranger 1, route. Zéo Ranger 3, bleu. Zéo Ranger 4, vert. Zéo Ranger 5, rouge. Yeah. Lâche-le. Non, il m'appartient. Les Power Rangers? Si tu veux le garder, il faudra nous combattre. Toujours plus, c'est vrai. Oh non, des coques, il ne manquait plus que. Je ne sais pas ce que Mondo a en tête, mais il faut sortir David de là. Vous êtes avec moi? Ouais. Puisque vous êtes là, occupez-vous deux. Atterris maintenant. Voilà le travail. Qu'est-ce que Mondo nous prépare? Bravo, Octosaur, tu as bien rempli ton rôle. Mon rôle? Mais qu'est-ce que vous racontez? Cette créature n'a pas d'ordre à recevoir de vous, roi Mondo. Ah, bientôt je commanderai cet épouvantail et toute une cohorte de démons. La tête de flèche, ça reste à voir. Tout va bien? Oui, ça va. J'ai repris la ville. Bravo, bien joué. Ouais. Inutile de t'attarder ici, on se retrouve à la base. Compris.
Tu peux disparaître, Ranger. Je te laisse cet humain. Après tout, j'ai la pointe de flèche maintenant. Non! Il faut la lui reprendre. Lâchez-moi! Non, je dois te mettre en sécurité. Viens! Oh, il est chaud. Pourquoi avez-vous fait ça? Il le fallait, c'était... Ne me touchez pas! Ramenez-moi là-bas! Du calme, ça sert à rien de hurler. Vous ne comprenez pas! Ils ont la pointe de flèche! Ça veut dire que mon frère a aussi été kidnappé. Il faut que je retrouve Tommy. L'essentiel est que tu leur aies échappé. Je suis à l'abri! Mais mon frère est en danger! Non, David, tu te trompes. Ils l'ont enlevé! Non! Et la preuve est là. Tommy? Oh! Je suis content de te retrouver. Incroyable, mon frère est un Power Ranger. Comment ont-ils pu avoir le fétiche? En fait, tout est ma faute. Je suis tombé dans un piège. Tommy, on doit le récupérer. Il y a un rocher dans la forêt. En contact avec lui, le fétiche retrouve ses pouvoirs magiques. Si le roi Mondo le découvre, il aura tout un bataillon de monstres prêts à détruire le monde. On trouve cette pierre magique, Clank. Je sais, votre majesté. Envoie un escadron volant pour fouiller cette forêt. J'ai hâte d'avoir mon armée de monstres. Et celui-là? Un monstre! Oui, un monstre, c'est bien un monstre. Un monstre. Un horrible monstre. Je vois. Et ce dessin-là, ça représente quoi? Un monstre! Un monstre, oui, un monstre. Un monstre. C'est sûr, un gros monstre tout poilu. Je suis normal, vous devez être fou. Tommy, hein? Et ton frère, ça va? Oui, il va bien. Il doit me retrouver à la cafette. Oh, je veux pas qu'il ait de problème. Tommy, est-ce que tu peux venir une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Mondo a envoyé des machines fouiller la forêt à côté de la réserve. Oh non! Il a écouté ma conversation avec mon frère tout à l'heure? Et il cherche la pierre qui peut rendre tous ses pouvoirs au fétiche. Oh. Votre Majesté, nous avons localisé une pierre de même structure moléculaire que le pendentif. Bon travail! Je suis impatient de voir à quoi peut ressembler cette corde de monstre primitif. Oh, voilà donc la pierre! Je sens vibrer sa force à travers tous mes rouages. Lorsque j'aurai libéré le pouvoir du fétiche, je serai le maître du monde. J'aimerais bien voir comment les Power Rangers pourront m'arrêter maintenant. Trop tard, les amis. Le roi Mondo a mis la pointe en contact avec cette fameuse pierre. Je m'occupe de lui. Transmutation! Il voulait voir comment les Rangers l'arrêteraient. Eh bien, il va être servi. Je vais le lui montrer. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté! Hé, hey, la grosse marmite, ce pendentif est à moi. Et tu vas me la rendre! J'arrive trop tard, Ranger, je possède déjà le pouvoir ultime. Plus maintenant, ça ne marche que si le fétiche touche la pierre. Quoi? Comment dire, Ranger a volé la pointe de flèche? Le pouvoir me quitte, je le sens diminuer. Clank, tu ne pouvais pas l'empêcher de faire ça. J'ai récupéré le pendentif. Ouais, génial. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'octosaure refait des siennes. La créature arpente la plage. Tommy, retrouve les autres au nord de la baie, tout de suite. Oui, compris. À vous de jouer. Bonne chance. Transmutation. Encore vous? CO2, attaque Hitler. Tous ensemble! Zéo, brille en puissance! Un monstre en difficulté, ça c'est un travail pour toi, Orbus! As-tu vu, mon grand? À la une, à la deux et à la trois! C'est l'heure de la soupe! Cette mission m'a remis d'aplomb! N'oublie pas qui tu dois ça! Allez, venge notre roi! Il nous faut toute la puissance des anges! Assemblage du Géomégaton!
200 Mégazords assemblés. Pareil au combat. Tu crois que tu me fais peur? Non, genre de combat rouge. À nous deux, mon gros. On a moins envie de rire, hein? Il est plus coriace que je ne le croyais. Hé, hey, Tommy, on aurait intérêt à fusionner encore. Tu te sens d'attaque pour ça? Je suis prêt. Assemblage usé au Mégazord de combat. Finissons-en avec ce monstre préhistorique. Viens tout bas, mon moustique. Attention, puissante feu maximale. Quand je pense à tout ce précieux pouvoir qui a déserté mon royal Chiron, toute cette puissance qui m'a échappé de si peu, ces maudits rangers devront me payer ça un jour en plus du reste. Encore un monstre, je suppose. Un genre de gremlin, tu te rappelles leur cri? Mais enfin, qu'est-ce que ça nous donne, tout ça? Comment se conduire avec un... Ce test nous montre que tous les deux vous êtes obsédés par les monstres de tout genre. Oh, mais c'est mauvais pour notre avancement, ça! Dans une autre ville qu'ici, ça le serait. Mais, comme nous sommes sans arrêt en état d'alerte ici... Le manuel dit que vous êtes de parfaites recrues. Génial! Tommy, est-ce que tu vas bien? Oui, et regarde ça. La pointe de flèche? Mais comment tu as fait? Tu l'as récupérée? Et dis-moi, tes copains là-bas, est-ce qu'eux aussi ils sont... Oui, eux aussi. Oh, quand on y pense, c'est à cause de ça qu'on a eu ces ennuis. Oui, mais c'est ce qui nous a permis de te sauver. Tu veux la reprendre? J'hésite. Chacun une moitié, voilà la réponse. Je suis désolé. J'ai pas très bon caractère. Je t'en ai fait voir ce matin. Je t'ai planté là. Et j'ai été capturé ensuite. Oh, t'es pas responsable de tout ça. Je ne quitte pratiquement pas la réserve. Si tu as le temps, entre deux combats avec des monstres, tu pourrais faire un saut. Compte sur moi. Bien sûr que je viendrai te voir. Parce qu'enfin, tu es mon frère. Un peu plus, si nous trouvait. On a eu très chaud. Ah ben, je vois ça, vous êtes tout moite tous les deux. Ça chauffe là-dessous, non? Tu vas la foutre, ouais. Je me questionne pas dessus, s'il te plaît. Coupé. Billy? Est-ce que c'est le... C'est le boîtier d'interface? Oui, mais il est pas encore très au point. Coupé.